Today is between master and disciples, and Dominic Bandschedler, Balance Through a Pranayan Lifestyle, will be presented in French, with subtitles in Arabic, Alexis, or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme que d'obtenir cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. À plusieurs reprises, le maître suprême Qinghai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah? And with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah? To be able to pick a human birth. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est entièrement équipé de merveilles miraculeuses qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et ont une foi totale dans le Créateur de toute vie. Inedia, je nais en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis des temps immémoriaux, il existe des personnes qui peuvent se nourrir de prana ou force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent se nourrir de l'énergie de la nature. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love and faith alone. Ces personnes sont connues sous le nom de respiriens, pranariens ou inédistes, solariens ou aquariens. Ils viennent de tous les horizons, toutes les cultures et des quatre coins du monde. Les possibilités et miracles de la vie, tels que notre Créateur bienveillant les a conçus pour nous, sont bel et bien infinis. Il nous faut seulement nous connecter à l'intérieur pour reconnaître notre richesse en tant qu'enfant de Dieu. Le Maître Suprême Qinghai a affectueusement recommandé une série hebdomadaire sur Supreme Master Television pour présenter ces personnes du passé et du présent qui ont choisi de vivre sans nourriture. Nous espérons que ces histoires spirituelles vous captiveront, qu'elles vous toucheront et élargiront vos horizons. Retrouvons à présent la première partie de notre série de 4 épisodes intitulée And Dominic Bandschedler, l'équilibre grâce au mode de vie pranarien dans Entre Maître et Disciple. Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme ou vivre sans nourriture et n'a pas vocation d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en inédit. Bonjour, téléspectateurs éclairés. Aujourd'hui, nous vous présentons une autre personne qui a choisi de se passer de nourriture physique pour se nourrir de prana. Le prana est cette énergie cosmique qui remplit l'air, imprègne chaque être et existe dans tout l'univers. Un Dominic Bandschedler, ou Nouchka pour les amis et la famille, vit en France et se passe de nourriture physique depuis septembre 2010. À 65 ans, elle est en bonne santé et heureuse d'avoir changé son mode de vie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste la nourriture pranique? Il s'agit de se nourrir différemment. C'est très différent d'un jeûne.
Le prana, c'est l'énergie universelle, c'est l'énergie qui sous-tend toute vie. On peut l'appeler le chi, le ki, la manne. Dans la Bible, on appelle ça la manne céleste, n'est-ce pas? Et il est possible maintenant, ce n'est plus réservé à des saints ou des mystiques, il est possible tout à chacun d'entreprendre, d'apprendre à se nourrir de prana. Pour passer de la nourriture physique à la nourriture pranique, il faut endurer un processus de 21 jours. Exactement. Dans votre cas, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 21 jours ? De nombreuses choses. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'on met de côté toute sa vie, toutes les trépidations de la vie quotidienne. On ne téléphone pas, on est dans une retraite. C'est une initiation que Yasmine, qui a créé ce processus, appelle une initiation sacrée. Donc on est vraiment relié à soi-même et aux êtres de l'invisible. Et on suit un protocole très très précis. Donc les 7 premiers jours, on ne mange pas et on ne boit pas. N'importe qui vous dirait que c'est de la folie, mais c'est tout à fait faisable. Les 7 jours suivants, on prend des jus de fruits dilués à 25%, c'est-à-dire très peu de jus de fruits, beaucoup d'eau, ou même simplement de l'eau. Et les 7 derniers jours, on boit des jus de fruits dilués à 40%, donc un peu plus dense. Et le reste du temps, on médite, on peut lire. La deuxième semaine, on peut regarder des vidéos, à condition que ce ne soit pas des vidéos violentes, évidemment. On peut écouter de la musique. Là aussi, on recommande de ne pas écouter de la techno ou de la musique lyrique trop riche. On écoute du Beethoven, du Mozart ou de la musique New Age, très douce. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu ce processus ? Comment est-ce que j'ai vécu ce processus ? Ça a été une grâce infinie. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça n'a été quelque part parce que j'ai reçu tellement de cadeaux que je me suis sentie soutenue. Dès que j'ai émis l'intention de faire ce processus, j'ai commencé naturellement, sans aucun effort, à moins manger. Et puis, j'ai senti que j'étais accompagnée pour me préparer à ce processus. Oui, mais pendant le processus, alors, est-ce qu'il y avait des phases très difficiles où vous souffriez, où vous aviez des doutes? Des doutes, j'en ai jamais eu, parce que j'étais prête à aller jusqu'au bout. Je me suis dit, j'aime mieux, si je dois mourir, j'aime mieux mourir comme ça que de mourir avec des perfusions, de la morphine, un cancer à l'hôpital. Je me suis dit, ben là au moins, si je meurs en conscience. Mais j'étais persuadée que j'en mourrais pas. Mais je me suis dit, voilà, si ça devait m'arriver, c'est pas un grand problème. J'ai élevé ma fille, voilà, je suis autonome, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Mais j'avais pas l'intention du tout de mourir, évidemment. Oui, mais vous avez souffert, il y avait les premiers jours. Oui, alors le premier jour ça va, on continue à se promener, le deuxième aussi, le troisième, on a beaucoup de mal à marcher. Donc j'ai découvert un nouveau sport, la chaise longue. Donc je me mettais à l'abri du soleil, parce que ça c'est important de ne pas être en plein soleil quand on ne voit pas. Et je regardais les nuages et je rêvassais et je m'endormais et je bouquinais un peu, voilà, c'était mon activité. Mais alors la nuit du troisième jour, il s'est passé quelque chose de très très spécifique. Yasmine, dans son livre, elle l'explique pas beaucoup, elle dit que dans la nuit du troisième jour, votre esprit vous quitte et on est investi par un autre esprit. Et elle développe pas du tout ça. Et ça me faisait très peur, beaucoup plus que ne pas manger ça. Je dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mon esprit qui s'en va, mais alors où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Et puis, comme j'avais décidé de jouer le jeu et que je savais que à peu près 10 000 personnes, maintenant je sais que c'est même plus, c'est 30 000 personnes ont fait ce processus et sont toujours là, je me suis dit, bon, ben voilà, allons-y. En fait, j'étais quand même toute seule. Hein. J'ai pas trouvé vraiment la personne adéquate pour me coacher, donc je préférais être seule. J'avais une amie qui me téléphonait tous les matins, mais qui habitait à 5 heures de chez moi pour voir si j'étais toujours vivante et elle avait le numéro de mes voisins au cas où il me serait arrivé quelque chose. Mais c'était tout. Sinon, je l'ai vécu absolument seule. Donc la nuit du troisième jour, je me suis réveillée à 3 heures du matin. 3 heures du matin, en énergétique, c'est l'heure du poumon, c'est la peur de mourir. Donc, bien sûr, consciemment, je n'avais pas peur de mourir.
Mais inconsciemment, peut-être que j'avais peur de mourir. On a toujours peur de l'inconnu. Hein. Pourtant, la vie, c'est un éternel changement, mais c'est quand même passé d'un état à un autre, comme la naissance est passée d'un état à un autre. Donc voilà, je me suis réveillée et j'ai juste vu qu'il était 3h du matin. Et j'étais paralysée dans mon lit. Je ne pouvais plus bouger. Alors, j'avais une carafe d'eau à mes côtés et un crachoir, parce qu'on est obligé de boire, sinon on a la bouche complètement sèche. On ne boit pas, on met de l'eau dans la bouche, et on se rince la bouche ou les glaçons, et on recrache. On n'avale pas. Et les glaçons, quand ils fondent, on n'avale pas le liquide non plus. Et ça, c'était le troisième jour. Le troisième jour. Et donc là, j'étais paralysée dans mon lit, j'avais une soif intense, c'est sans doute ça qui m'a réveillée, et je ne pouvais pas atteindre mon eau et mon crachoir. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que je vais mourir, que je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. J'étais toute seule à l'étage, dans ma maison, et de toute façon, je n'avais pas trop envie de prévenir les voisins, parce que ils auraient été affolés, ils m'auraient emmené à l'hôpital, on m'aurait fait une perfusion, et tout était fichu, il fallait tout recommencer. Donc j'ai appelé au secours, mais les êtres invisibles. Et je leur ai dit, avec un peu d'humour, je leur ai dit, écoutez, moi je veux bien mourir dans ce processus, c'est pas un problème. Mais par contre, de toute façon, il n'y aurait personne qui se serait senti responsable puisque j'étais toute seule. Donc je faisais de tort à personne. Mais par contre, je voudrais quand même avoir un petit sourcil parce que ma maison n'est pas très bien rangée. J'ai pas bien trié mes papiers et ma pauvre fille, qui est une fille unique, la pauvre, elle serait obligée de se mettre devant une tâche vraiment énorme. Donc je leur ai dit, un petit sourcil s'il vous plaît. Et je me suis rendormie. Je ne sais pas combien de temps ça a mis pour que je m'endorme. Et le lendemain, je me suis réveillée comme neuve, en pleine forme. J'avais plus soif, curieusement, alors que je n'avais pas bu. Et j'étais nouvelle, j'étais comme un nouveau-né. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus cette sensation d'être neuve ? Alors, j'ai commencé à baigner dans un état de grâce. Vraiment, il ne m'arrivait que des bonnes choses. J'avais que des bonnes nouvelles autour de moi. Vous savez, on est en résonance avec l'univers. Donc, le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, comme j'étais dans un état de béatitude, je peux dire, complet, eh bien, j'attirais que des belles choses à moi. Voilà. Et donc, c'est ça, pour moi, être neuve, c'était comme retourner à la maison du Père. C'était retourner au paradis. C'est difficile à expliquer. C'est une expérience un peu mystique, mais qui s'est mise en place tout simplement, que je n'ai pas provoquée. Je n'ai pas fait 15 heures de méditation par jour. Je me suis juste abandonnée et ouvert à ce processus, avec confiance. Bon, déjà, vous disiez que vous n'aviez plus soif, alors que vous n'aviez pas bu, vous n'êtes pas rincé la bouche la veille, et vous vous sentiez en pleine forme. Oui, absolument. Un peu fatiguée. Alors, ce que je disais, c'est que mon corps physique était inversement proportionnel à mon état de grâce. C'est-à-dire que plus je rentrais dans cet état de grâce, et il y a eu toute une progression, plus mon corps physique était faible, mais j'avais une telle joie intérieure, une telle force intérieure que je ne me sentais pas faible. Je sentais que je ne pourrais pas aller pédaler ou sur un vélo ou courir dans la forêt, mais j'étais pas fatiguée, j'étais en pleine forme, j'étais high like kite, comme on dit en anglais, aussi haut qu'un cerf-volant, quoi, énergétiquement. C'est difficile à l'écrire, hein, parce que c'était à la fois un état de vulnérabilité, de demande que mon corps soit mis au repos, mais avec toutes mes cellules qui pétillaient à l'intérieur. Alors, donc, il y a cette espèce de décalage entre la dimension physique et la dimension spirituelle, au niveau de la sensation. Oui. À quel moment du processus la dimension physique, elle est rattrapée par la dimension spirituelle? Ce serait plutôt ça ou l'inverse? C'est-à-dire que dès qu'on commence à reboire un peu des jus, on retrouve une vitalité, on retrouve un tonus, quoi. C'est-à-dire que j'ai pu de nouveau aller me promener, par exemple.
Et donc, vous commenciez à vous sentir physiquement plus forte. Voilà. Mais alors, et comment est-ce que ça s'est rajusté avec ce que vous avez vécu spirituellement ? Eh bien, l'état de grâce est resté. L'état de grâce est resté. Et ça, c'est un cadeau immense. Parce que j'étais quelqu'un de toujours un petit peu déprimé. Mon père faisait des dépressions récurrentes, il était médecin. Et malheureusement, parmi ses collègues, il n'a pas trouvé des gens qui ont vraiment pu rétablir son psychisme. Et donc, il n'échappait pas. Tous les jours, mettons, tous les 3 ans, il faisait une dépression qui durait quelquefois 6 mois. Et j'étais forcément marquée par ça dans mon enfance. Hein. Et surtout que souvent, il était même en cure de sommeil à la maison. Enfin, voilà, quoi, parce qu'il était suivi par un collègue. Voilà, bon. Et moi, j'avais un peu hérité de... J'avais fait des dépressions, mais je ne me suis jamais soignée avec des médicaments. Et mon père, qui avait l'habitude d'en faire, me disait, tu sais, un jour on se réveille et c'est fini. C'est comme un cycle, on se réveille, on n'est plus déprimé. Et donc, à quoi bon prendre des médicaments, quelque part? Bon, lui, malheureusement, il en a pris, mais moi, j'ai refusé. Donc, j'ai traversé à chaque fois des dépressions. Mais j'en faisais régulièrement. Et au point de plus pouvoir travailler, de rester alité. Et mes amis venaient et me disaient, mais sors-toi, viens, je t'emmène au cinéma. J'ai dit, je n'ai pas envie. J'ai aucun appétit pour la vie, pour la socialisation. Mais viens, je t'emmène au restaurant. J'ai pas envie, j'ai pas faim. Voilà. Donc, je restais au lit pendant des heures à attendre que ça passe. Et là, il me restait, j'avais plus vraiment de dépression parce que j'ai énormément travaillé sur moi. En étant thérapeute, on travaille aussi beaucoup sur soi. Mais j'avais quand même toujours un espèce d'état latent de mélancolie qui est venu très tôt dans mon enfance parce que je me sentais dans ce monde mais pas de ce monde. C'est-à-dire que je trouvais que les gens avaient des comportements bizarres. J'avais déjà des idées philosophiques très arrêtées sur qu'est-ce que le bonheur, comment créer le bonheur sur Terre. Et je trouvais que les gens étaient cruels les uns envers les autres. Et j'étais une petite fille malheureuse qui pleurait beaucoup, qui, très sauvage. J'aimais pas aller dire bonjour à la dame comme on fait dans les bonnes familles. J'allais souvent me réfugier dans ma chambre. Et j'étais d'une timidité incroyable. Et donc j'avais toujours cette espèce de... J'avais gardé cet état un peu... J'étais capable de faire le clown. Hein. Les clowns, on dit que c'est souvent des gens tristes. J'étais capable d'amuser la galerie. Mais à l'intérieur, j'avais toujours ce fond de tristesse et de mélancolie et de nostalgie d'un autre monde. Et là, et je ne m'attendais absolument pas à ça, ça disparut. C'est comme si on m'enlevait une peau et on m'en remettait une autre. J'étais plus la même. J'avais plus aucune souffrance de ce style. J'étais heureuse, joyeuse, plein d'humour, plein d'entrain, un peu faible sur mes pattes, mais dans un état de bonheur, sans objet. Je pense que le vrai bonheur, c'est sans objet. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous semblez décrire un état où la faiblesse physique n'empêchait pas la joie de vivre. La joie de vivre. Tout à fait. D'accord. C'est très curieux à observer. Hein. J'ouvrais les mains, je disais merci, j'étais dans l'attitude de gratitude, je disais merci que de cadeaux auxquels je ne m'attendais absolument pas. Alors, cela vous arrive encore quelquefois d'être fatigué? Oui, ça m'arrive encore quelquefois. Et comment est-ce que vous y remédiez sans passer par la nourriture physique? Je me repose. Voilà, j'ai appris à avoir une relation plus douce avec mon corps aussi. Parce qu'avant, j'étais toujours en train de cravacher. Hein, je disais, tu es fatigué, continue. Et parce que j'ai élevé ma fille seule, j'ai une vie, j'avais pas un salaire qui tombait tous les mois. Et je faisais tout, le secrétariat... chercher les billets d'avion, faire la promotion de mon travail, organiser les organisateurs, c'était un casse-tête quelquefois d'établir un calendrier. Et j'allais quelquefois très loin pour enseigner ce que j'enseignais, donc je suis allée jusqu'à Tahiti, l'île Maurice, l'Australie, voilà, tout ça demandait beaucoup d'organisation. Et quelquefois j'étais épuisée et comme j'étais électrosensible, j'avais pas d'ordinateur. Alors je faisais tout à la main, je mettais mon fichier en ordre en décollant les étiquettes, en les recollant pour qu'elles soient par ordre alphabétique. Je passais des nuits. Je m'étais fait une vie dure.
très dur. Comme d'autres respiriens, Anne-Dominique réalise les nombreux avantages du mode de vie pranarien dans son quotidien, tant spirituellement que physiquement. Comment est-ce que la nourriture pranique pouvait vous rendre la vie moins dure? Ben parce qu'on dort moins. Au lieu de dormir 8 heures par nuit, comme je dormais avant, je dors 4 à 6 heures. On a plus d'énergie. Toute l'énergie qu'on dépense à digérer, ça prend de l'énergie. Ça en donne un petit peu, mais ça en prend beaucoup. L'énergie qu'on passe à aller faire des courses, faire des listes de courses, faire la vaisselle, faire la cuisine, ça prend un temps fou, même si, admettons qu'on mange que cru. Parce que, bah, même ça, il faut râper les légumes, voilà. C'est time consuming, comme on dit en anglais. Ça prend énormément de temps de s'occuper de tout ça. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'être nourri de lumière, c'est recevoir la grâce divine? Ah, pour moi, ça a été ça, vraiment. Alors, est-ce que se nourrir de lumière suppose qu'on entretient le lien avec cette grâce? Ça veut dire qu'il faut faire un travail quand même quotidien. Écoutez, non. Non, c'est ça qui est extraordinaire. Ça se fait tout seul. Dans la mesure où on s'ouvre. Donc, cet état-là, entre autres, c'est un plein d'énergie, une absence de douleur. Oui. Donc le corps physique prend moins d'importance, moins de... Oui, non, parce que j'ai établi justement un autre rapport avec mon corps. C'est devenu encore plus qu'avant un temple. Et je le négligeais un peu parce que j'étais toujours en train, comme je vous disais, de cravacher. Donc là, j'ai établi une relation d'amour avec mon corps tout à fait différente. Et comme il se nourrit de lumière et que j'adore la lumière, ben, j'aime mieux mon corps maintenant que quand il était pesamment en train de digérer. J'avais souvent le ventre gonflé, par exemple. Donc cet état de grâce, il est permanent maintenant, et je me sens reliée de façon permanente. Je n'ai même pas besoin d'y penser. Oui, c'est une caresse de l'âme, de se nourrir de prana. C'est d'une douceur infinie, c'est du pur nectar. Et le travail que je fais avec mes patients... que j'ai plus envie d'ailleurs d'appeler patients parce que ça a une connotation de maladie, j'ai plutôt envie de les appeler des amis, et bien c'est aussi caresser leur âme, hein, les rassurer, les mettre dans un état de confiance vis-à-vis d'eux-mêmes de manière à ce qu'ils puissent s'auto-guérir. Voilà, c'est ça, c'est créer un environnement de sécurité. C'est ce dont on a le plus manqué tous, et que actuellement ça se fait cruellement sentir, le manque de sécurité dans l'inconscient collectif. Je connais des gens qui n'avaient jamais peur et qui se disent « j'ai peur maintenant ». Je contacte des peurs. Mais enfin, en quoi la nourriture pranique peut modifier ou améliorer votre attitude dans le travail, par exemple? Ben, le fait déjà, simplement le fait que je me sens différente. Hein, j'ai plus cette espèce de vague à l'âme que j'avais avant. Donc j'ai plus d'énergie, je suis plus confiante dans la vie. Même si tout va mal autour de moi, ben je garde le cap. Hein, bien sûr, je suis secouée comme tout le monde. Je ressens à distance les tremblements de terre, les choses comme ça. Alors imaginez qu'en ce moment, je suis secouée. Au Japon, c'est tous les jours que ça tremble, la terre. Donc voilà. Mais il y a une espèce de stabilité qui s'est faite en moi, une stabilité émotionnelle qui fait que je surfe sur la vague beaucoup plus facilement qu'avant. Pour Anne-Dominique, vivre sans nourriture est inhérent à tous les êtres humains, même les enfants. Alors, à votre avis, le fait de se nourrir de prana peut transformer l'humain? Ah, totalement, oui. Mais en fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Écoutez, je ne sais pas. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de le faire. Et de plus en plus de gens qui sont ouverts à ça. Je pense que ça peut... Dans l'absolu, je pense que ça peut être donné à tout le monde. Tout le monde pourrait le faire. Y compris même des enfants. Il y a des enfants qui naissent maintenant sur Terre. Ça m'avait frappé quand elle avait dit ça en 93, Yasmine. Des enfants qui naissent et qui n'ont pas envie de manger. Ça ne les intéresse absolument pas. Et qui sont en pleine forme. Donc ils se nourrissent tout à fait spontanément de lumière. Donc je pense que c'est ouvert à tout le monde, mais il faut avoir
une amie me disait, t'as beaucoup de courage. J'ai dit non, il faut simplement avoir la confiance absolue que c'est possible. Le Christ, quand il soignait, avant de soigner, il disait, avez-vous la foi? As-tu la foi? Ça sert à rien que je te soigne si t'as pas la foi. Donc il faut avoir cette foi quand même. Il faut avoir dépassé la croyance que si on mange pas, on meurt. Que si on boit pas, on meurt. Je suis venue pour servir. Ça, j'ai toujours été depuis toute petite persuadée que j'étais là pour servir. Et j'ai toujours ma mère, je la dérangeais beaucoup, elle disait, tu as un bon cœur. Tu as tellement bon cœur. J'aime m'occuper des gens. Depuis que j'ai fait la nourriture pranique, je suis beaucoup plus centrée. Je sais beaucoup plus facilement dire non. Il y a un proverbe chinois qui dit, on peut aimer une bactérie et pas la vouloir dans son bol de riz. Et ben, ça m'aide beaucoup parce qu'avant, je croyais qu'il fallait être bon, ça voulait dire accueillir tout le monde. Et mettre toutes les bactéries dans son bol de riz. Eh bien non, il faut aussi quelquefois savoir se préserver parce que sinon on perd énormément d'énergie et de toute façon on n'aide pas les gens. Donc je dirais que je suis en service, mais je suis beaucoup plus éclairée maintenant de jusqu'où je vais donner, je peux donner sans me perdre. Voilà. En tant que thérapeute qui travaille à aider les autres à surmonter leurs propres obstacles, Anne Dominique analyse les dangers de l'alcoolisme. J'en connais des gens qui sont complètement imbibés d'alcool, croyez qu'ils sont libres, ils sont prisonniers. Souvent d'ailleurs même ce sont des entités qui viennent se nourrir, qui n'ont plus de corps physique. Alors c'est ça l'enfer. Quand vous avez plus de corps, si vous êtes alcoolique, vous mourrez, vous n'êtes pas guéri de votre alcoolisme, vous avez encore votre corps de désir qui a envie d'alcool, mais vous n'avez plus de corps physique pour l'assouvir. C'est ça, ça c'est vraiment l'enfer. Donc ils vont se fixer, se coller à une personne vivante et la faire boire pour eux alimenter et satisfaire leur corps physique, leur corps astral qui est ce corps de désir. Hein, ils vont assouvir leur désir à travers quelqu'un qui va boire et qui va pas comprendre pourquoi il boit. Et j'ai eu le cas d'une de mes élèves de Reiki qui était infirmière, qui s'est retrouvée en hôpital psy, et en fait elle avait été envoûtée. Et quand sa mère qui était branchée l'a fait désenvoûter, elle est sortie de l'hôpital et elle est sortie de la psychose comme on sort d'un mauvais rêve. Enfin, je ne sais pas si elle avait une psychose, mais en fait sa pathologie psychiatrique a été... C'est terrible parce que la médecine classique n'a pas cette conscience de ce monde d'entités qui nous entourent, qui ne sont pas toujours positives. Il y en a des très positives. Hein. Il y a des gens qui les voient, les anges gardiens. Les enfants, souvent, ils vous parlent de leur ange gardien. Ce n'est pas un mythe, ça existe. Hein. Il y a des enquêtes qui ont été faites sur les anges gardiens où tout d'un coup, vous freinez. Vous sentez qu'il faut que vous freiniez. Et vous freinez alors qu'il n'y a rien devant vous et puis... si vous n'aviez pas freiné, vous seriez rentré dans une bagnole qui était en travers de la route, par exemple. Quelle est cette présence qui a fait que vous avez freiné? Alors, on peut aussi l'appeler l'intuition. On peut l'appeler comme on veut, peu importe. Je suis persuadée qu'on n'est pas tout seul, qu'on est imbibé d'un réseau, à la fois de choses positives et négatives, bien que j'aime pas trop séparer ça comme ça. Mais on peut ne pas être victime de ça. Il y a, heureusement, et de plus en plus, des gens sur Terre qui aident. Moi, je suis une passeuse d'âme, c'est là que je suis capable d'aider des gens qui sont passés dans l'au-delà et qui, pour une raison X, soit qu'ils ont une mort violente ou qu'ils se sont suicidés, restent dans le bas astral. Et ça aussi, c'est l'enfer. Donc, avec beaucoup d'amour et en leur parlant, on arrive à élever les gens dans la lumière. Et puis je prends ce que j'appelle des correspondants. Je suis en contact avec des êtres de lumière qui, si vous voulez, ils tirent et je pousse. Voilà. Pour Anne Dominique, l'amour est l'ingrédient clé de l'existence. Et l'amour, c'est aussi avoir de la compassion pour les animaux, les traiter humainement, vivre et laisser vivre. En tant qu'être humain, nous n'avons pas besoin de manger la chair des animaux pour mener une vie équilibrée et être en bonne santé. C'est l'amour qui guérit, voilà. Si on le résume en quelques mots, ce sera ça. Que j'ai la croyance que l'amour guérit, que l'amour peut tout. C'est une force puissante, l'amour, c'est du feu. Donc, ça, je dirais, si j'ai un message à dire, l'essentiel dans la vie, c'est d'être dans l'amour et dans la conscience. C'est pas l'amour wishy-washy, lovey-dovey, ah, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on s'aime tous, gna 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 gna. Non, c'est la conscience avec
cette ouverture du cœur. C'est à la fois, c'est ça qui nous aligne, c'est la croix, hein, c'est alignement depuis la verticale jusqu'au sol, et puis l'horizontale, c'est cette ouverture de cœur qui permet de se guérir et de contribuer à la guérison de la planète. Hein. Voilà, donc arrêtons de massacrer les animaux pour de la consommation, c'est aberrant. Moi j'ai vu des chèvres qu'on amenait à l'abattoir en Grèce, elles avaient les yeux qui leur sortaient des orbites et elles se pissaient dessus, elles savaient qu'elles allaient à l'abattoir. Hein. C'est aberrant. Donc ça serait merveilleux si tout le monde se nourrissait de prana. La faim dans le monde serait éradiquée. Alors aussi quand on dit, mais ça devrait se savoir, et quand on pourquoi les enfants crèvent de faim. Mais si on a la croyance qu'il faut manger pour vivre, eh ben on va mourir si on n'a rien à manger. Maintenant, si on apprend qu'on peut vivre de lumière, on peut être au fin fond de Calcutta et être heureux. Parce qu'on n'a plus besoin de se nourrir. D'ailleurs, Yasmine, elle va chaque année en février apprendre aux Indiens qui meurent de faim à se nourrir de prana. Et alors ils lui disent, mais attendez, mais vous avez de l'argent et vous mangez plus. C'est bizarre quand même. Nous, on n'a pas d'argent, on mange très peu parce qu'on n'a pas d'argent, mais vous. Donc voilà, je voudrais revenir sur cette image qui vient de m'arriver là, cette croix. Hein, qui est un symbole universel, qui n'est pas seulement un symbole chrétien. C'est l'énergie qui descend, la transcendance, l'énergie qui monte, hein, se relier. Hein, la religion, c'est se relier à Dieu, se relier, vous l'appelez comme vous voulez, la conscience universelle, Dieu, je m'en fiche. Et puis, après, cette ouverture du cœur, de ce qu'on reçoit, ou ce qu'on va chercher, ce retour à la maison, on l'offre, on ne le garde pas pour soi. Voilà. Bien, ben merci Anne-Dominique Winchettler. Merci, merci à vous. Téléspectateurs compatissants, merci pour votre présence dans notre émission Anne-Dominique Winchettler, l'équilibre grâce au mode de vie pranarien, d'entre maîtres et disciples. À suivre des gens bien, de bonnes œuvres, juste après une nouvelle d'exception. Alors restez avec nous sur Supramaster Télévision. Que le soleil aimant égaye vos journées et remplisse votre cœur de paix. Compassionate viewers, thank you for your presence for our program. I'm Dominique Banschedler, Balance for Pranarian Lifestyle, on Between Master and Disciples. Good People, Good Works is coming up next right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supramaster Television. May the loving sun brighten up your days and fill your heart with peace. Literature on living food free. For a complete list, please visit www.suprememastertv.com/breatharians. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.